Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour un tout nouvel épisode de Minecraft Pick All Blocks saison 2. Alors le deuxième épisode, il s'avère, petites infos avant de commencer, que le pack de textures avait un petit peu foiré dans l'épisode précédent. D'ailleurs je vous invite à le regarder. Et donc j'en ai changé, j'ai essayé de garder un petit truc un petit peu dans le même ton, et donc je n'ai plus Conquest. Parce qu'en fait je suis pas arrivé à installer correctement MC Patcher, Optifine, tout ça, du fait que j'ai plusieurs disques durs. En fait j'ai mon SSD qui contient mon OS et Java, et une partie de Minecraft, et l'autre partie de Minecraft est installée sur mon disque dur normal, pour éviter de trop travailler sur mon SSD qui aime pas trop ça. Et donc du coup l'installation de mod se fait beaucoup plus difficilement, et vu que je suis un peu à la bourre au niveau des épisodes, j'ai pas pu trop bien pris le temps de enfin trop bien prendre le temps de m'occuper de tout ça. Et donc j'ai fait quelque chose, j'ai pris le pack de texture. Attendez, je regarde, c'est Alkyon Days version 1.1 fort 1.7.4, pour du coup pallier à ce problème. Et ben on y retourne, de toute façon on n'a pas que ça à faire. Alors la dernière fois je vous avais laissé, bon vous voyez il change pas trop hein, juste un petit peu, bon voilà, c'est du 32 par 32, ou oui c'est ça. Donc on s'était arrêté, le jour revenait, et d'ailleurs j'avais toujours pas fait chauffer la viande, ce qui pourrait pourtant m'être utile. Alors, donc on va récolter un peu de bois encore, je sais, bon je vais faire ça un petit peu au début de chaque épisode, hein, histoire de... Je vais couper deux arbres, là, histoire de... d'être tranquille au niveau... Oula. En plus il a un arc enchanté. Hey. Alors, donc je pourrais pas le faire, prendre encore un peu de bois. Je pourrais pas le faire sans doute ce squelette, hein. Parce que avec l'arc enchanté, j'ai pas envie de trop prendre de dégâts, quoique je pourrais le faire en fait. Et si je pouvais le tuer, ça serait cool. Ce serait super. Oh putain, creeper. Ah, j'arrive. Oh merde, 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 merde. Oh. D'accord. C'est une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Surtout, surtout qu'il y a des creepers qui se baladent. Je vais grimper sur les toits, on va dire. Je vais monter là-dessus, éviter de me faire trop canarder. C'est assez insupportable d'ailleurs. En fait, le problème de ces zones-là, les forêts, c'est que c'est bourré de creepers et autres squelettes qui arrêtent pas de vous fracasser. Parce que du coup, ils se protègent bien. Comme celui-là. Bon, à la limite, c'est un creeper, ça brûle pas au soleil, mais les squelettes, j'aimerais bien qu'ils brûlent au soleil. Mais c'est pas possible. Alors. Vite, je voudrais rentrer et pas me prendre un boom sur la gueule. Voilà. Donc. On a pas mal de nourriture, c'est pas mal. Est-ce que j'avais trouvé du fer? Je me souviens plus, ça fait un bout de temps que j'ai pas tourné. Parce que je sais pas si vous l'entendez, je suis un petit peu malade. Et donc du coup, j'ai du mal à parler. Bah tiens, il est là. Notre ami Creeper, on va s'en occuper. Le squelette a des pops. Ok, le squelette a des pops. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé essayer de le faire tirer sur le Creeper. Ça aurait donné un disque s'il l'avait tué. J'y suis jamais arrivé sans être en mode créatif. C'est un des rares moyens de trouver un disque pour ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est pas facile. Donc on va se tirer de là, parce que voilà, c'est pas forcément le meilleur endroit. Essayer de trouver une autre zone. Ah oui, j'ai aussi résolu les problèmes de lag, de chargement qui ne se faisait jamais, enfin qui avait du mal à se faire. Je sais pas trop comment, honnêtement. Je sais pas trop comment j'ai fait. Alors, attendez, est-ce qu'on peut voir quelque chose? Ah, là-bas, un biome neige. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'avais pas vu de biome neige. Depuis l'apparition de 1.7, j'ai tendance à ne plus en voir du tout. Je sais pas pourquoi. Je crois que là, il y a une citrouille, mais je suis pas sûr. Yes, je crois que c'est une citrouille. Oula. Nickel, une citrouille. Ça, c'est bien, parce que du coup, j'aurais pas trop à en chercher. J'ai au moins la citrouille de base. Donc, là-bas. Ah, est-ce que c'est pas un nouveau biome implanté dans 1.7? Si, je crois. Je crois que c'est un nouveau biome. Tiens, neuf. Cool, ça c'est pratique. Est-ce que j'ai de la viande de poulet? C'est la question que je me pose. Si je pouvais récupérer d'abord.
Voilà, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, on va essayer de se déplacer, aller voir ailleurs si on y est. C'est toujours un peu important. Parce que là, je peux pas du tout me poser là où je suis. Il y a trop d'arbres, trop de forêts. Même si je déboise, ce serait toujours un peu risqué parce que c'est un truc à se faire défoncer assez facilement. Ouh! Ah, mais oui, c'est un nouveau biome que j'avais encore jamais testé. C'est le biome avec des ruines et des grands arbres. C'est un biome un peu spécial que j'avais encore jamais testé. Mais du coup, il y a quelque chose qui était globalement très chiant à récupérer. C'était cette pierre-là. C'est la Mossstone. Et qu'avant ça se trouvait que dans les donjons et c'était plutôt chiant d'ailleurs. Impossible à trouver. Et là ça va mieux. C'est quoi ça déjà? C'est de la mud ou c'est du gravier? Ah non, je crois que c'est de la terre. C'est de la dirt. Donc. Ok, alors c'est des grands arbres comme ça. Bah du coup là il y a pas mal d'arbres. C'est bien, c'est assez visible. On va essayer d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Pour l'instant, je vous ai dit, hein, les deux premiers épisodes, c'est souvent que de l'exploration, que de l'exploration. Ouh, des loups. J'ai pas d'os. Ça, c'est embêtant. J'aurais bien aimé avoir un loup. Et champignons. Bon, la map a du mal à charger. Non, ça va. Elle a un peu moins de mal. Je sais pas ce qu'elle avait avant. Ça va un petit peu mieux, quoique, on dirait que ça aura des problèmes. Je sais pas pourquoi, honnêtement, j'ai aucune idée de pourquoi ça fait comme ça, parce que mon Minecraft est vierge, installé récemment. Je sais pas du tout pourquoi, c'est peut-être la dernière version qui fait ça. Et le fait est que c'est assez embêtant. On va aller voir là-bas, je crois qu'il y a un autre biome. Ou c'est juste... Ah, ça a du mal à charger, c'est quoi ce... le prix. Alors là, on quitte le biome, il semblerait qu'il y ait peut-être un biome neige là-bas. Ah ouais, c'est possible qu'il y ait un biome neige. Voilà, on voit que ça a du mal à charger, voilà, allez. C'est une fois que ça charge. Ah non, c'est pas un biome neige. Ça fait encore partie, je crois, des nouveaux biomes. Je les ai plus tous en tête, pardon. Ah non. Non, c'est juste la fin. C'est juste la fin des biomes. Allez, charge! Espèce de PC pourri. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit des grenades d'arbres, ça continue toujours. J'ai pas pourtant pas mis extended biome. Hein. Mais on dirait qu'il n'y a que ça. Alors. Là-bas ça continue, on voit plein de réseaux de galeries du coup, ça c'est plutôt pratique, mais c'est un peu de la triche. Bon, j'ai pas X-Ray, hein. J'ai pas X-Ray, c'est juste le jeu qui fait ça. Hein. Va vraiment falloir que je me trouve un endroit pour me planter quand même. Vous savez quoi, peut-être que par ici c'est pas trop mauvais non plus. Hein. C'est pas trop mauvais. Qu'est-ce que par ici, là, il y a des cochons, donc ce serait plutôt pas mal de s'installer par là. Mais il y a un gros trou, je sais pas ce que c'est. Il y a des cochons, ouais. Bon, attendez, on va attendre que la map se charge, parce que pour l'instant, c'est un gros foutoir absolu. Peut-être que je suis juste à côté d'un gouffre, mais que je sais pas. Allez, charge! C'est tout coupé, c'est incroyable. Ah non, c'était pas fait exprès, j'ai cru que c'était fait exprès, mais en fait non. Attendez, vous savez quoi? Hop, 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 on va recharger. Nickel, ça va déjà mieux. Je sais pas pourquoi, c'est la lecture qu'il a du mal à faire. Je pense que c'est parce qu'il est dispatché sur les deux disques en fait. Alors, revenons à nos moutons. Où est-ce que je peux m'implanter? Parce qu'en fait c'est un peu le foutoir en final. Côté de ce lac, tiens. Là, il y a un gros lac, ça fait très Québec. Québec en été, ouais, c'est à peu près comme ça. J'y suis allé il n'y a pas très longtemps. Et c'était à peu près comme ça, si ce n'est que ouais, c'est un peu plus broussaillu. Hein. La cambrousse là-bas, c'est un peu différent. Tiens, des vaches, on va tuer 2-3 vaches. Et j'ai dit, reviens. Ah! Reviens là. Voilà, de la nourriture et...
J'ai plus de place. Et ceci, ceci, ceci. Ça, c'est marrant, il y en a qui sont. Des trucs qui sont restés normaux. Qu'est-ce que je peux virer? Qu'est-ce que je peux virer? Qu'est-ce que je peux virer? On va virer 29 de cobalt, voilà. Donc, bah, je propose qu'on s'installe par ici. Ce serait plutôt pas mal ici, en fait. On a une petite avancée là-bas. Je vais peut-être couper les arbres. Et on va commencer à s'installer. Alors, c'est de l'arbre quoi, ça, tiens? Curieux de savoir. Ah, c'est pas de l'oak. C'est du spruce wood. Ah bah d'accord, bon, j'aurais pas à chercher du spruce wood non plus. C'est celui du biome, des biomes neige de les anciennes versions. Ouais, donc c'est pratique. Voilà. Ok. Donc alors, on va se foutre par ici. D'ailleurs, le soleil se couche. Où est-ce que je vais me mettre pour passer la nuit en attendant? Parce que de toute façon, l'objectif, ça va être un peu de terraformation. Je pense que je vais installer ma maison ici. Et pourquoi pas installer le musée sur le lac. Le musée qui, je rappelle, devra contenir tous les blocs et items du jeu sur le lac en hauteur et en profondeur. Ça peut faire quelque chose d'assez sympa. Et donc, bah allons-y. Allons-y, allons-y. On va faire un petit trou pour passer la nuit. Un petit trou habituel. D'ailleurs, ça fait penser que j'ai laissé ma porte là-bas. Et on va faire des coffres, je pense. On va faire des coffres. Je vais poser mon... ma crafting table. Rapido. J'ai pas des planches, si j'ai des planches. Hop. Tiens, tire-toi, toi. Je vais poser la porte. Nickel. Le soleil a l'air de... Le soleil, pardon, a l'air de se coucher. On va rentrer. Et on va s'installer gentiment. Alors... S'installer, installer le petit truc. J'ai du mal à différencier la pierre de la terre encore. Hein. J'ai encore un peu de mal. Je suis un peu désolé d'ailleurs de ce changement de paille de texture en cours de route. C'était pas du tout prévu lors de la création de ma saison. C'est un peu dommage d'ailleurs parce que j'aimais bien l'autre texture pack, mais celui-là est très bien aussi. Du coup, j'ai plus du tout de place. Il va falloir vraiment que je me fasse un coffre. Évidemment, j'ai pas assez. Évidemment, c'est pas ce bois-là. Ah, je me bats avec mes items. J'ai un inventaire trop blindé. Tiens, tire-toi, toi. Coffre, alors. Coffre, on va poser tous nos merdiers. Les plantes, où il est. Voilà, toutes les plantes, les champignons, les œufs de la pumpkin, du cuir. Je vais peut-être poser mon four, par contre. Hop. Par contre, peut-être que j'égalise un peu cette pièce qui est un peu pourrie. Voilà. Et on va déplacer la table de craft qui est pas du tout au bon endroit en fait. Voilà, c'est mieux. Donc, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre ça aussi. Qu'est-ce que je peux mettre d'autres boss avant en fait? C'est assez bien. Ok, bah nickel. Ah, par contre, ça fait penser que j'ai toujours que deux de laine. Et que du coup, je peux toujours pas faire de lit. Ce qui est assez embêtant parce que du coup vous allez devoir encore vous taper toute la nuit avant que je coupe. Oh non, je vais peut-être pas couper. Je vais peut-être pas couper parce que si je trouve quelque chose d'intéressant. En tout cas pas tout de suite parce que les premières fois. Ah, on entend une araignée, à moins que ça soit dehors. Ah, excusez-moi, ça s'entend peut-être, mais je suis un peu enrhumé. Ah, il faut que je me fasse une autre épée d'ailleurs parce que l'épée que j'ai là est un peu morte. Petit peu seulement. Changement d'épée. Alors, hop, hop. Ça y est, une épée en sphère. C'est déjà mieux. Vivement les pieds en diaps, je me sentirais quand même un petit peu plus rassuré. Oh, bah, bah voilà, elle était là, l'araignée. Allez, viens là. Nickel. Alors, par contre, je sais pas du tout dans quoi j'ai débouché. J'ai pas trop envie. Bah, j'aime pas cette musique. J'ai pas trop envie de me mesurer à une caverne tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout. Ça m'embête un peu. On va peut-être pas y aller tout de suite. On va traverser, on va continuer à creuser. De toute façon, je pense qu'on va retomber dessus
Si vraiment on tourne autour. Si on tourne autour, on doit bien et bien retomber dessus. Assez souvent. Allez, on continue. J'aimerais bien trouver du fer. Ce qu'il me faudrait, c'est du fer, du charbon. Ouais, puis de toute façon, faut descendre à chaque couche. 50. Ouais, bah, je suis encore en haut, quoi. Donc on descend, on entend des chauves-souris, hein, donc il y a bien une grotte dans le coin. Ça c'est sûr et certain. Et c'est pas très pratique d'ailleurs. Il faut vraiment que je me trouve de la laine, hein, parce que ça peut pas se faire sans laine. De toute façon, il va falloir toute la laine disponible. Il faut que j'aille trouver un mouton, que je lui fasse la peau. Ou alors qu'il faut vraiment du fer et... Ah, zut! Du fer et des cisailles. Ça va être assez indispensable aussi. Alors, continue. On entend de l'eau. C'est intéressant d'aller voir parce que s'il y a de l'eau dans la grotte, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de monstres normalement. Je crois que je l'entends par là. Va essayer d'aller voir. Où elle est? Peut-être dessus. Bon, ok. Va falloir que je remonte. Ça m'embête un petit peu, mais c'est pas grave. Je vais chercher une pioche orab. Je sais pas regarder à quel coup j'en étais pour l'instant, mais ça doit aller. Alors. Oups! Bordel de Dieu, je crois qu'il y avait un creeper, mais je suis pas sûr. Oh là là. Oh, ça me fait un peu flipper. Mais je crois qu'il y avait un creeper. Je crois, je suis pas sûr. Ok, il y a quelque chose. C'est sûr, il y a quelque chose. Et j'ai pas non plus envie que la saison fasse deux épisodes. Ça serait un peu embêtant. Ça serait la saison la plus rapide que j'ai jamais faite en tout cas. Alors, elle est où cette flotte? Là, je tourne autour. Ah bon, du charbon. C'est déjà ça. Peut-être que je suis juste à côté de la mine. Ça va me faire monter un niveau, ça c'est nickel. Alors, c'est peut-être pas la bonne direction pour la rivière, enfin la rivière, le cours d'eau souterrain. Ouais, non, ça a pas l'air d'être là, je crois qu'on s'en éloigne. Je sais pas si vous l'entendez beaucoup, parce que j'ai baissé un peu le son, sinon ma voix ne s'en sort pas trop. Ouais, non, non, je crois pas qu'elle soit là. Où elle est. Ah, ça m'embête de pas l'avoir trouvé quand même. Peut-être qu'en fait j'entends juste rien parce que j'ai vraiment je suis ah. Je suis plus vers le bas. On va essayer d'avancer un petit peu. Ah, j'entends bien là. Je pense que vous aussi. Ah, par contre j'entends un squelette. Ah bah voilà, trouvé. Je vois rien du tout. Ok. Là, on sait qu'il y a quelque chose. Il y a une jolie grotte. Allez, ça m'a sauté. Oh, j'avais pas vu. C'est du charbon, j'aimerais bien du fer. Soyez gentil, donnez-moi un peu de fer. J'en avoir pas mal besoin. Genre beaucoup. Mais vraiment beaucoup. On va reprendre un peu. D'ailleurs, ça fait toujours de l'XP, c'est toujours bien parce que l'XP, j'en avoir aussi besoin. Pour me faire une armure super protectrice, histoire de passer la saison en toute sécurité.
Quoi déjà 20 minutes? Ouais, du coup ça va être un peu jour dehors. Je sais pas trop. Bon, on sait qu'il y a qu'il y a quelque chose ici. On sait qu'il y a quelque chose là-haut d'ailleurs, on va remonter. Pour la fin d'épisode, je vais remonter. Et donc on sait qu'on n'est pas tout seul au moins et qu'on a trouvé un emplacement plutôt pas mal pour le pour le musée, tout simplement. C'est déjà pas mal. Oh, par contre, il fait toujours nuit, on dirait. Putain, ça c'est un truc affreux, c'est con. Avec cette porte-là, on voit pas du tout si c'est jour ou pas. Bon, il fait nuit, ça c'est pas un problème. Alors, bon bah voilà. J'espère que ça vous aura plu. Désolé encore pour le changement de pas de texture, hein, j'en suis fortement désolé. Et aussi pour les quelques petits soucis techniques qui ont lieu. Je sais pas du tout pourquoi ça fait ça. Donc je me renseigne, mais pour l'instant j'ai pas trouvé. Et puis j'espère que ça vous aura quand même plu. N'hésitez pas à regarder le premier épisode et l'épisode de présentation. Ou alors en plus la saison 1 si vous ne connaissez pas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé. Et encore désolé pour la voix, si elle n'est pas assez forte, s'il y a des problèmes. Je suis enrhumé, je suis vraiment hors service, je tourne parce que c'est important que je tourne et que je respecte mes délais. Parce qu'il faut bien que vous ayez votre épisode tous les 3 jours, hein, à 18h. Oula, ça fait peur. Ça commence à faire jour, bah il fera jour pour le prochain épisode. Bon bah à la prochaine, salut à tous!